retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit donc d'un haul AliExpress puisque j'ai reçu des articles qui me manquaient. Par contre il vous faut savoir deux choses. La première c'est que sur AliExpress, et ça peut arriver, il y a des vendeurs qui sont peu scrupuleux. Ça m'est arrivé, donc il y a une bague que j'attendais désespérément que je n'ai jamais reçue. Heureusement pour moi j'ai réussi à me faire rembourser, donc voilà. Parce que je me souviens d'un haul où il y a des gens qui m'ont dit oui mais on peut faire des réclamations, etc. Moi, je vais être franche, hein, pour la palette de maquillage que j'avais reçue, qui était cassée quand je l'avais reçue, j'avais voulu faire une réclamation, ça n'avait pas fonctionné du tout. Donc là, heureusement, ça a fonctionné, mais bon, c'était pas une grande perte, puisque la bague faisait 40 centimes, je crois. Mais bon, c'est pour le principe, hein, de toute façon, on achète quelque chose, ben, on le reçoit pas, on est supposé se faire rembourser. Et ensuite, il y a deux articles qui n'arrivent toujours pas. Alors, ils sont en transit, ça je le sais, le vendeur est très sérieux parce que j'ai déjà acheté avec lui, donc j'ai aucun doute là-dessus. Je les ai pas reçus, donc je vous les montrerai à un moment donné, je ne sais pas quand, je vous les montrerai dans un autre haul, mais je pense dans un haul où je vous parlerai d'un autre site chinois que je suis en train de tester. J'ai commandé des choses, je vais les recevoir. Alors, quand j'aurai tout reçu, je vous ferai un haul AliExpress plus l'autre site. Je vous en parlerai en temps voulu, j'en dis pas plus. Voilà, on commence tout de suite donc avec les achats que j'ai faits. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'une vidéo que vous êtes libre d'aller voir ou pas concernant le maquillage AliExpress. Je vous avais dit dans mon dernier haul de cosmétiques que je vous en reparlerai en temps voulu. Et là, c'est une vidéo qui vous explique un petit peu la différence entre une vraie palette de chez Too Faced, la Chocolate Bar, et une copie de chez AliExpress, et qui vous met également en garde. Alors vous faites ce que vous voulez, vous allez la voir, pas la voir, vous êtes convaincu, pas convaincu, peu importe, vous avez le droit d'avoir votre opinion, comme j'ai le droit d'avoir la mienne. C'est juste pour vous prévenir et pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas garder la seule palette d'ailleurs de maquillage que j'avais acheté chez AliExpress, et que j'ai décidé de ne plus acheter de maquillage sur les sites chinois, pardon, parce que je pense que ça pourrait être dangereux. Voilà, c'est tout. On clôt la parenthèse là-dessus, et on commence tout de suite donc avec le haul. Alors, j'ai reçu donc des bijoux devant moi, et j'ai également un sac à vous proposer. Sur les, je crois que j'ai 12 articles à vous présenter. Il y a deux articles, c'est des flops. Il y en a un, c'est un méga flop, réellement, et qui m'a coûté cher en plus, enfin cher entre guillemets, mais qui voilà ne justifie pas son prix, et l'autre c'est un flop mitigé on va dire, je suis coussi coussa, hein, le cul entre deux chaises on va dire. Donc voilà, alors on commence tout de suite par donc les bijoux, on va commencer par les boucles d'oreilles. Alors j'ai acheté donc au plat, j'ai acheté cette paire de boucles d'oreilles, donc c'est des petites créoles dorées, avec un petit liseré, argenté, un petit liseré de brillant au milieu, je sais pas si vous les verrez bien. Alors ça c'est tout mignon, c'est discret, c'est fin, ça coûtait pas grand chose, vous trouverez de toute façon comme d'habitude dans tous les liens en barre d'infos. Elles sont très jolies, il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est qu'elles sont très fines. Voilà, donc vous pouvez le voir, bon ça va pas avec mon collier donc je les ai pas mises, mais elles sont très jolies, très très sobres. Je dirais qu'elles sont très chic, un peu passe-partout, mais vraiment très élégantes, très sympa. Moi, je peux que vous les recommander. J'essaye de vous les montrer comme il faut, mais c'est pas forcément évident. Alors ensuite, j'ai reçu une autre paire de boucles d'oreilles. Donc celles-ci, pareil. Elles sont jolies. Je suis pas hyper emballée, mais elles sont quand même très jolies. Elles sont bien finies, il n'y a rien à dire hein, sur la finition, comme les précédentes. Il n'y a rien de spécial à dire, que ce soit devant, derrière, que ce soit les fermoirs, les pierres, etc. Il n'y a rien de spécial à dire, elles sont élégantes, elles sont simples, elles sont sobres. Voilà, c'est un peu bling bling, mais sans trop. Donc ça, pareil, je pourrais que vous le conseiller, c'est très mignon. Hop là. Ensuite, une autre paire de boucles d'oreilles. Alors là, j'ai deux autres paires de boucles d'oreilles à vous montrer. Je les adore. Et évidemment, j'ai fait ma lorette, on va dire. Je l'ai faite tomber, ce qui fait que, en fait, si vous regardez bien le détail de ces boucles d'oreilles, ici, ce n'est pas un petit peu jaune comme sur le reste de la boucle d'oreille, c'est blanc, simplement parce que la pierre s'est cassée. Mais c'est pas la faute d'AliExpress, c'est la mienne, hein, je les ai faites tomber. Hormis ça, j'adore ces boucles d'oreilles, je les trouve très classe. Pareil, les finitions, etc., il n'y a rien à dire. Au niveau des brillants, c'est très très mignon. Alors, c'est vrai que ça brille un petit peu, mais réellement, je les adore, elles sont très belles. Je les ai portées une journée, il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Je les aime beaucoup, pareil, elles sont très... enfin, elles sont données, quoi, elles sont vraiment, vraiment pas chères. Je peux que vous les recommander, c'est très joli.
Très mignon, ça fait très élégant, très habillé. Alors ça, pour une soirée ou même en plein jour, si on a un côté très, une tenue très décontractée, ça peut faire un peu plus chic. J'adore. Et ensuite, donc j'ai commandé celle-ci. Alors pareil, hein, celle-ci, je les adore. Mais voilà, vous me connaissez. Quand j'adore vraiment quelque chose, je vous le dis. Celle-là, je les adore. La finition, les brillants, c'est très mignon. Franchement, c'est pareil. Hop, ça fait très habillé, c'est très classe. J'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est que c'est des boucles d'oreilles qui coûtent vraiment pas cher. L'arrière de la boucle d'oreille, parce que vous savez que je suis sensible aux finitions. Mais ben, sur l'arrière, c'est nickel, quoi. Y a rien de spécial à dire. C'est pas cher, mais là, pour le coup, c'est des beaux articles. Moi, j'aime beaucoup. Je peux que vous recommander ces boucles d'oreilles-là. Franchement, vous en avez pour votre argent. Ça valait pas la peine de s'en priver. Je sais que là, il y a des abonnés qui vont rigoler parce que vous dites la même chose que moi. Ensuite, au niveau des colliers. Alors, j'ai acheté celui-là. Vous le savez, je vous l'ai présenté la dernière fois en doré. Je l'ai pris en argenté. Pareil, ça, c'est des colliers coup de cœur qui coûtent vraiment pas cher. Les finitions sont impeccables. Il n'y a rien à dire, hein. Moi, j'aime beaucoup. L'avantage, c'est qu'il est léger. Alors, il y a des colliers chez AliExpress qui sont un petit peu lourds. Voilà, ça coûte dans les 3 euros. Effectivement, pour 3 euros, on peut avoir de très jolis colliers. Les finitions sont sympas, il n'y a rien à dire. Les pierres, enfin, la seule pierre qui est au milieu d'ailleurs n'a pas cédé. Que ce soit les chaînettes, etc. Tout est impeccable. Franchement, je peux que vous le recommander. Je l'avais en doré, je ne l'ai pas sous la main, mais je l'avais à commander en doré dans un autre haul, je vous le montre. Ben, très bien, pour 3 euros, je vous recommande ce genre d'article. En plus, ils arrivent très vite, hein. Ce que je voulais vous dire, tous les articles comme les boucles d'oreilles, hein, cette paire-là, et même ces deux-là, je crois que c'est les mêmes vendeurs, sont arrivés très vite, hein. Réellement, je crois qu'elles sont arrivées en une semaine, hein. Donc voilà, maintenant pensez à une chose, c'est que tout le monde va vouloir commander pour Noël. Je pense que les achats, faut les faire maintenant. Ne commandez pas le 1er décembre ou le 10 décembre en vous disant ça va arriver pour le 25. Faut pas rêver. Parce que des fois, il y a des choses qui sont très très longues à arriver. Là, dans l'ensemble, ça a mis entre une semaine et 3 semaines. Donc c'est le moment d'acheter maintenant. Après, ce sera beaucoup trop tard. Alors ensuite, j'ai commandé ce collier. Voilà, pareil, argenté, style bohème. Même pareil, hein, au niveau des finitions, il n'y a rien à dire. C'est parfait, c'est nickel. Là, pour le coup, je suis vraiment contente. Vous voyez, hein, sur l'arrière, y a pas de défaut. Sur le devant, pareil. Ça fait pas cheap comme certains colliers. Pareil, que ce soit les pierres ou les perles, rien à céder lors du trajet. C'est arrivé super bien emballé. Franchement, moi, je suis conquise. Ce collier, je l'adore. Il est vraiment, vraiment mignon comme tout. J'adore. Alors ça, je peux que vous le recommander également. C'est un très joli collier. Ensuite, alors j'ai commandé ce collier-là, pareil, dans le style un petit peu bohème, on va dire. Voilà, j'ai commandé ce collier-là, que j'aime beaucoup. Je l'ai commandé en doré. Et là, pareil, rien à dire, que ce soit sur l'arrière, que ce soit les chaînettes, que ce soit sur le devant. Rien de spécial à dire. Il est très mignon, il coûte vraiment pas cher. Et je me suis laissée tenter par le même en argenté. Voilà. Eh bien, franchement, je préfère l'argenté au doré. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les deux sont réellement super. Franchement, l'arrière, l'avant, y a pas de défaut. Ça fait pas cheap. Ils sont pas lourds, pareil. Hein, ils sont pas lourds. Ils font pas mal au cou. Parce que c'est vrai qu'il y en a certaines chez AliExpress. Plus ils sont gros, plus ils pèsent. Hein. Et là, ben non. Là, tout va bien. Donc celui-là. Et le doré, je peux, pareil, que vous les recommander. Et si vous avez des cadeaux à faire à Noël, j'ai envie de dire ça vaut le coup. Je ne me rappelle plus trop des prix, je crois que c'était 3 ou 4 euros. Réellement, vous offrez ça à Noël, ça fait toujours un super effet. Et vous ne payez pas ça 20 euros, quoi. Parce que ça, en magasin, il faut être réaliste, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est hyper cher. Alors ensuite, j'ai reçu, alors, deux colliers. J'ai reçu celui-là, que j'aime beaucoup. Par contre, il pèse, je préfère vous le dire. Alors celui-là, il pèse. Voilà, il est en argenté, pareil, quand je les ai reçus, hyper bien emballé. Rien à céder, aucun brillant à céder, aucune perle. Alors c'est très joli, vraiment. Alors c'est des très gros colliers. Ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, soit avec une chemise comme je porte aujourd'hui, ou bien avec un haut noir, vous mettez ça dessus, c'est juste sublime. Réellement, il est magnifique ce collier, je l'aime beaucoup. Pareil, les finitions, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Celui-là, il ne coûtait pas tout à fait 8 euros. Pour 8 euros, réellement, ça, c'est sublime. À la limite, à Noël, vous avez envie d'offrir ça. J'ai envie de vous dire, vous prenez un joli coffret, hein, vous mettez ça dans un coffret, vous l'offrez. C'est classe, quoi. Franchement, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. J'adore ce collier. Il est un chouïa lourd. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais sinon, hormis ça, nickel. Il est magnifique.
Donc ce vendeur, je peux que vous le conseiller. Sauf que, je vous recommande quand même le vendeur, hein. J'ai acheté un autre collier qui m'a coûté plus cher. Il m'a coûté 8 euros. Et alors là, c'est le flop, méga flop. Je le trouve immonde. Alors peut-être que vous, à la caméra, vous allez vous dire, oh ben non, il est joli. Moi, sur les photos, je le trouvais très joli. Et en fait, voilà, ben, il coûte plus cher donc que celui-là. Celui-là, je le trouve très beau. Il fait pas cheap, rien du tout. Alors celui-là, alors j'aime pas du tout. J'aime pas. Alors les finitions, il n'y a rien de spécial à dire. Mais alors les chaînettes, on se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Enfin, moi, je trouve ça trop fin. Comparaison de ça. Ça n'a rien à voir. Là, c'est très fin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, c'est relativement fin. Là, c'est quand même beaucoup plus épais. Alors, évidemment, celui-là, il est lourd. Celui-là, il est léger. Après, non, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait vraiment cheap. Ça fait pacotille. J'aime pas. Alors, pourtant, je pense qu'il y a des gens à qui ça devrait plaire. Hein. Il n'y a rien à dire sur ce collier, si ce n'est qu'il est, il est bien fait et tout. Mais moi, je trouve que ça fait bas de gamme, quoi. Pas du tout. Alors, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Ça vient pas du vendeur. Hein. C'est du fait que je pense que j'ai pas forcément choisi le bon collier. Alors j'aime pas du tout. Ça, celui-là, pour moi, c'est un flop. Hein. Franchement, c'est pas terrible. Ensuite, alors, un autre collier. Alors celui-là, je l'adore. Mais il y a un petit souci. Alors, voilà. Il est comme ça. Je vous enlève l'emballage parce que c'est pas forcément terrible. Alors, ce collier, il est magnifique. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'il est assez lourd. Alors ça, c'est vrai que c'est pas forcément pratique à porter. Ça, pareil, hein, ça sur un haut noir ou quoi que ce soit, c'est très beau. Ça prend beaucoup de place. Ça, c'est un très 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 gros collier, réellement. Alors, ça, pour les filles qui sont costauds, c'est très joli. Sur les filles plus fines aussi, maintenant, si vous êtes très 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 mince, ça va pas faire forcément très joli parce que généralement, quand très mince, les gros gros colliers, c'est pas forcément super joli. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ce collier, il n'y a rien à dire. La finition est magnifique. Pareil, les perles, rien à céder, rien n'est arrivé cassé. Si ce n'est que, ben, pour moi, malheureusement, la grosse pierre du centre est arrivée rayée. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, je ne suis pas sûre. Je trouve ça un peu dommage, parce que réellement, c'est rayé comme si quelqu'un avait pris, vous savez, la pointe d'un compas et avait bien appuyé dessus, parce que ça fait quand même une trace assez importante. C'est dommage, mais sinon, je peux que vous le recommander, c'est pareil, c'est très beau. Si vous connaissez dans votre entourage des gens qui aiment ce genre de collier, il est magnifique. Il est magnifique, il est très beau, je crois qu'il coûte dans les 8 euros aussi. Il est superbe. Franchement, là. Pour 8 euros, ça c'est le genre de choses que si on trouve dans les magasins comme chez H&M, Zara, etc., ça coûte au moins 30 euros. Là, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je peux que vous le recommander. Alors ensuite, ben, j'ai commandé un sac. Et quand on le regarde au premier abord, comme ça, eh bien, il a l'air tout mignon. Alors effectivement, ça ressemble à un sac Chanel. Donc, il y a une anse dorée avec. Si on regarde le tweed, ben, j'ai envie de vous dire de près, le tweed est parfait, il est très joli, hein, il n'y a rien à dire. Pareil, le fermoir est très bien. À l'intérieur, voilà, ça se présente comme ça, il y a une petite poche. Les finitions même à l'intérieur sont bien, même là et tout ça, il n'y a rien de spécial à dire. Si ce n'est que, alors effectivement, la petite poche, elle est tellement petite que j'ai envie de vous dire, même pour y passer le doigt, ça commence à être un peu compliqué. Donc là, à mon avis, vous y mettez rien du tout. C'est difficile, vous y mettez peut-être la carte bleue et c'est tout. Le reproche que je leur ferai, c'est que en fait, en dessous, c'est du carton. On voit que c'est du bas de gamme. Parce que moi, il est arrivé un peu tordu. Je ne sais pas si vous le voyez là, comme ça à l'écran. Vous voyez, hop, il est un peu tordu, il est un peu cassé. À la différence du Chanel que je vous avais présenté la dernière fois, le Chanel était arrivé avec bien protégé, bien emballé, etc. Celui-là, il n'était pas super bien emballé, d'où, à mon avis, le faux pli. Et on voit vraiment que c'est du bas de gamme, parce que autant les finitions dessus sont super, autant ce qu'il y a en dessous, on voit, on se dit, c'est vraiment, vraiment cheap, et c'est dommage. Alors, je pense qu'effectivement, une fois qu'on a mis pas mal d'affaires dedans, et que le sac a pris la forme, avec le porte-monnaie, les clés, le téléphone, etc., ça va, ça passe tout seul, parce que réellement, il est tout mignon, hein, on dirait vraiment un sac qui ressemble à un Chanel. Mais moi, pour moi, le flop, c'est que effectivement, quand on le touche, on se dit, mais c'est quoi, excusez-moi, hein, mais c'est quoi cette merde? Alors que, et c'est dommage, parce que il est très mignon et réellement, que ce soit le tweed, le fermoir, etc., il n'y a rien à dire. Même la chaînette, c'est très joli. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave. Une fois qu'on l'a autour de soi ou qu'on le porte, ben on le touche pas le sac, hein, on fait que le porter. Oui, mais bon, il a coûté quand même 14 euros. Quand je vous présente dans mon dernier haul des pochettes à 5 euros qui sont super bien faites, super bien finies, et là, un sac à 14 euros où franchement, on se dit, mais à ce prix-là, j'ai 3 pochettes, quoi. Donc, je trouve que là, c'est un peu abusé. Donc, pour moi, c'est un flop. Même si, je vous dis, c'est un semi-échec, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est un flop, coup-ci, coup-ça. Je l'aime sans l'aimer.
C'est un peu dommage. Et c'est vrai que pour 14 euros, si vous n'êtes pas très regardante sur les finitions, j'ai envie de vous dire, hein, s'il vous plaît, prenez-le. Ou alors attendez les soldes, chez AliExpress. Il y en a bientôt, ou en tout cas, il y en aura en janvier. Sinon, eh ben, passez votre chemin, quoi, hein, parce que pour 15 euros, vous pouvez trouver trois pochettes, hein, ou en tout cas d'autres sacs plus jolis et moins bas de gamme, quoi. Voilà, c'était mon conseil. Ensuite, donc, vous savez que je voulais vous parler de tout ce qui était maquillage sur AliExpress. Moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo d'une youtubeuse qui fait plus de vidéos depuis quelques temps, mais qui avait fait une vidéo à l'époque sur donc les palettes Too Faced. Elle s'appelle Neo Cosmode. Et si vous regardez jusqu'à la fin, ou si en tout cas vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, un conseil, regardez bien la fin, les cinq dernières minutes, où elle vous explique pourquoi, enfin en tout cas ce qu'elle pense, elle, des produits qui viennent de chez AliExpress, en tout cas au niveau du maquillage. Et c'est pas la seule à le penser. Donc j'ai envie de vous dire, prenez peut-être un peu le temps de regarder tout ça. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais allez voir cette vidéo, je pense qu'elle est très utile. Et moi, ça m'a fait réfléchir en plus de, vous le savez, je vous l'ai dit l'autre jour, d'une remarque que m'avait fait une abonnée. Donc, très sincèrement, je peux que vous conseiller d'aller voir sa vidéo. Voilà, j'ai fini pour ce haul AliExpress qui était un peu plus, peut-être un peu plus court que d'habitude, mais je vous retrouve très bientôt dans un autre haul avec les colliers qu'il me manque, plus une revue sur des nouveaux produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!